Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'immense salaire de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la clochette de notification et clique sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. L'accord porte sur 2 ans avec une saison supplémentaire en option qui ne peut être déclenchée que par Mbappé lui-même. Il ne comporte aucune clause liée aux performances. Prime de Ligue des Champions ou de Ballon d'Or par exemple, le joueur a triplé son salaire qui passe à 6 millions d'euros par mois, 2,7 millions d'euros après impôt. Sa prime Designature de 180 millions d'euros est payable en 3 versements au mois de juillet et Mbappé recevra la totalité dès la somme, même s'il part de manière anticipée. Kylian Mbappé aurait déjà l'intention de quitter le club en raison de promesses non tenues lors du dernier mercato estival et de frustrations liées à son rôle sur le terrain, ce qu'il a lui-même démenti. Le joueur du Paris Saint-Germain bénéficie pourtant d'un contrat historique depuis mai dernier en prolongeant de 3 ans son bail au sein du club de la capitale. L'international pourrait toucher au total 630 millions d'euros de salaire brut, soit le plus gros contrat jamais signé à un sportif, rapporte Le Parisien. Le salaire de Mbappé représente un quart du budget du PSG. L'accord porte sur 200 avec une saison supplémentaire en option qui ne peut être déclenchée que par Mbappé lui-même. À cela s'ajoute une prime de fidélité de 70 millions d'euros à la fin de l'été s'il reste au club, qui augmentera de 10 millions d'euros pour chaque saison passée au club. La totalité de ce que Kylian Mbappé touche désormais à Paris en termes de salaire, de primes versées par le club, soit l'équivalent de 210 millions d'euros ramenés à l'année, représente un quart du budget du Paris Saint-Germain. Merci cher abonné d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo était consacrée à l'immense salaire de Kylian Mbappé, et laissez nouveau avis en commentaire.